anticiper derrière. Non mais il est sérieux, il recommence. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Ice Cream 2, donc je suis vraiment content de le faire, on va continuer. Donc on avait déjà fait le 1, pour ceux qui n'ont pas vu le let's play numéro 1, je vous invite à le voir, il est vraiment excellent. Et je dis pas ça parce que je l'ai fait. Donc on continue l'histoire, donc c'est parti. Décembre 1982. Donc là c'est la suite, rappelez-vous on avait libéré le petit rouquin en bas à droite il me semble. Donc là on est en train de dessiner. Ice Cream 2, le jour d'après. On a un pineapple les gars. Ok, c'est imitation Apple. On par la fenêtre, appui interaction. Ok. Wow. Il est encore là? Il est en présent ce type. Ok, en plus il s'amuse avec les petits genre. Hi Jay, are you coming to play? The boys are in the secret lair. Ok, il y a un père secret. He has something to tell me. Well, qu'est-ce qu'il fait derrière? Silly. Well, you know what? Non mais il est sérieux, il recommence. Non mais les gars, c'est la même action. Il se moque de nous. Oh non. Ça envoie des gros mots et tout. Non mais sérieux les gars, c'était le petit rouquin en début et cette fois c'est... Ok, lance-pierre. On peut le jeter à l'extérieur comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Du coup, on va prendre le drap. On a besoin du drap, on le pose au clou. Yes, là on peut descendre. Donc j'aurai déjà mon lance-pierre. Attention, tu ne dois pas faire de bruit. Vite, je récupère mon lance-pierre. Ok, on va se cacher. Donc là, Rod va venir. Donc vous avez vu, il a capturé la petite fille. C'est une grosse chanson de pédophile ça. Je vais capturer des enfants potelés parce que je vais les violer. Ok, il a fait tomber le calepin. Je pense que c'est la carte, comme pour le 1. Donc pour l'instant c'est assez similaire, hein. Je voulais vraiment un début différent. Je suis un petit peu déçu les mecs. Je peux ramasser. Ok, donc ça fait du bruit du coup. Oh shit. La carte. Ah, ça m'avait manqué cette musique de course poursuite là. Vraiment stupide ce Rod. Regarde, on va tirer devant. On passe par la droite. Non. Ok, donc là on peut y aller. On va t'aider mec. Alors, du coup, on va commencer chill, on va aller au garage. Rappelez-vous, il y a des items par exemple que je trouve au garage, on doit l'utiliser au cirque. C'est pour ça que Ice Cream, honnêtement, c'est un des premiers let's play que j'ai fait et je le mets dans les plus compliqués pour l'instant. Mars 1954. Donc c'était bien plus tôt ça. Je comprends pas. Ça c'est vous en classe les mecs. Actually, I don't need so much to be so fat. Attendez les gars. Là on a fait un gros bond dans le temps, dans le passé yes, là. I recently tried some of my father's special ice cream, but it's only once. Why am I so stupid? Okay. Les gars, je suis sûr que c'est Rod. Rod quand il était petit. Donc on va avoir des bouts d'histoire cette fois. On va faire attention, on a toujours que 3 vies. Donc on aura des bouts d'histoire. Si tu es coincé, tu peux accéder par la fenêtre. Ok. Oh shit. Est-ce que c'est ouvert? Ouais. On va voir ce qu'il y a un peu aux alentours. Là il y a Ninji ça parle. Il y a une trappe. Coupez le fil. Bon là il m'a entendu. Venir par l'arrière. Yes. Bon là il vient là, du coup j'ai le temps de rentrer dans... Ici. Il m'a vu? Otaushi? Non? Merde, j'ai entendu ça. Ok, faut de quoi couper les fils. Ça devient risqué là. Y'a rien dans... C'est compliqué là. C'est pas un très très bon début. Bon, je propose qu'on se tire. Je pense qu'on trouvera rien ici. What will the ice cream maker want from me? Qu'est-ce que le marchand veut de glace? Je pense qu'il va te bouffer, mec. Pour te rassurer. Cinéma. Voilà, Cinoche. C'est parti. Prochain arrêt, cinéma.
Think Noodles. Ok, les noodles, c'est les nouilles apparemment. Les autres, il y a un truc. Nancola derrière. Nancola. Ok. La pauvre. Mais on avait le petit garçon rouquin, hein. C'est exactement le même scénario. Où est Rod? Wow! Il est juste là? Oh, attendez. Là, c'est bien, je me sens entre guillemets en sécurité parce que c'est assez vaste. Ok, c'est pour se cacher ici. Attendez, est-ce qu'on peut looter les véhicules? Les coffres? Ouais, c'est obligé avec le coffre. Y'a pas des alarmes de voiture aussi? Boîte à outils? Y'a rien dans leur boîte à outils, les mecs. Une boîte à outils, c'est fait pour mettre des outils, les mecs. Attends, un chat? Ah, une peluche! Et un Rubik's Cube? Va falloir le donner à quelqu'un, là, parce que je vois pas l'utiliser dans un système pour couper des fils, déjà. Des cornichons? Mais what the fuck? On est dans quel jeu, les mecs? Je vais devoir faire des choses avec ces objets? Qu'est-ce que c'est que ça? Un parfum. Parfum, ça peut être utile pour faire un lance-flamme, vous voyez? Easy Rod, tu peux venir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, clé à laine. Ça, c'est utile, vous voyez? Et là, on arrive. Donc, on aura une clé à laine. Je vais rentrer dans le bâtiment. Il y a un chat. Une peluche? Y'a un chat! J'entends un chat, les mecs! Ça m'intrigue. Je vais garder ma munition. Appropire, c'est. Y'a une peluche là aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire avec les peluches? Miaou! Il est où le chat? Y'a un chat qui est en haut. Hein. Faut sauver un chat. Ok. Réveil analogique, d'accord, c'est un réveil. J'ai peur qu'il arrive par là. Ok, l'accès est restreint. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quelqu'un qui ronfle, hein. Si on portait le réveil fou, on peut pas l'emporter. Un autre objet pour le remplacer. Et si on remplaçait par une peluche? On essaie de remplacer par une peluche, mais bon, c'est pas un réveil. Je pense pas que ça fera l'affaire. On va tenter, vous savez quoi, on découvre. Là, on peut passer, ok. On doit le remplacer. Franchement, on va pas se prendre la tête, je vais regarder les indices, je pense. Ok, on va aller au cirque. Ok, donc on arrive au cirque. Wow! J'ai drift et tout, ça rigole pas. Ok. Ah, petit bug. Ok. Bon, j'espère qu'il est pas à côté de moi. Ah, je l'entends vers la droite. Ça a l'air assez grand ici, hein. Ça a l'air très très grand même. Ok, donc on visite toujours. Ok, je vois pas Rod, c'est pas possible. Verrouillé de l'intérieur. Il a peut-être entendu ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout où est Rod, les mecs. Ok, bon, cette maison, on oublie. Verrouillé. Tout est verrouillé. C'est très calme. Petite musique. Ah, il y a du jeu vidéo là, j'ai envie d'y aller moi. Eh? What? Eh, il y a les geekous. Et toi, seuls ceux qui ont le laissé passer peuvent entrer. Il me faut un laissé passer. Ok, lui là-bas. J'espère qu'il me verra pas. Il faut trouver un laissé passer. Oh merde, c'est risqué. Je m'approche de lui. Il n'y a pas un laissé passer ici. Ça ressemble à quoi un laissé passer, mec? Ok, faut retrouver quelque chose ici. Ouais, laissez passer. Tout est fermé, hein. On a beaucoup d'espace, c'est grand. Ah ouais, on peut monter et tout. C'est gigantesque. Donc là, j'ai le truc des engines. Ah! On peut fouiller dans les poubelles! Ben, on n'a rien trouvé. Ok. J'espère qu'on va trouver un laissez passer. Ah, c'est un peu risqué là, non? C'est un peu risqué là, non? Ok, on a rien trouvé d'intéressant. Heureusement, il est très très lent. Je suis en mode normal, hein. Je suis pas en mode facile ou quoi. Vraiment, c'est mode normal, le plus petit. Le mode le plus bas. Rien trouvé intéressant. Et juste devant les garçons, il y avait une poubelle, ici. La boîte aux lettres, peut-être. Allez, faites qu'il y ait quelque chose ici, s'il vous plaît. Yes, j'ai laissé passer, les gars. Yes. Yes, 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 on est rentré. Salut, BG.
Bienvenue dans le repère secret. Je m'appelle J. Je peux parler avec vous? What's up, Jay? Quoi de neuf, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, un Rubik's I'll give cube. It to you. Un Rubik's cube pour un nerd. On peut jouer? Oh! On peut jouer dans le jeu? Ok, c'est fini. Bon, même là, je suis pas capable. Du coup, Rod, je peux pas rentrer là, on est tranquille. Ok, c'est pas mal ici. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez du secret à me donner là? Est-ce que vous m'assurez qu'on est barricadé, les mecs? Je veux pas que Rod vienne. Du coup, moi, je vais parler avec toi. Il a l'air d'avoir un pistolet, donc c'est cool. Hein. Welcome to the secret lair. I am the king. I'm the best player in the world. No one will exceed my record. Ok, bon. C'est son record là-bas. Bon, c'est sûr qu'avec ce que j'ai fait, mec, je vais pas te battre. Bon, il est où, Rod? Ce serait dommage que je me fasse avoir en sortant. Bon, du coup, il nous faut le Rubik's Cube. On y retourne. Là, yes. Ici. Allez, on y retourne. Oh putain, c'était limite ça. C'était où déjà? Le cirque. Yes. Ok, tiens, je suis sûr que c'est ça, tiens. No. C'est moche? What? Non, tu veux pas une peluche de tapette? Enfin, je juge pas, mais c'est un garçon, quoi. Ouais, puis merde, je sais même plus si de nos jours on a le droit de dire ça. Bon. C'est un garçon, normalement ça joue pas avec des peluches. On va dire c'est joli quand même, c'est une licorne mec. Ok, ce qui est bien c'est que la petite barrière, vous avez vu, lui il fait le coup. Moi je peux passer par dessus. Là c'est vraiment pour le semer que je fais ça. Jay, help me out of here. Allez, faites que ce soit la peluche. La licorne. Normalement, tout le monde aime les licornes. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon une licorne. You're kidding, right? Mais va te faire foutre. Il a cru que j'allais lui ramener tous les jouets de France ou quoi? Mais surtout qu'on est au state quoi. On y retourne. Bon, bah on va lui ramener des cornichons. Non, je plaisante. Un ourson en peluche. Allez, faites que c'est ça, s'il vous plaît. Je vois pas ce que je peux lui ramener d'autre. Non. Ah, ouvre. Ouvre. Il veut pas m'aider. Ouvre par l'arrière. Yes. Alors qu'il est juste à côté. Là. Tiens. Ça, ça lui plaît, ça. You're kidding, right? What? Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Bon, on va au cimetière, on va lui déterrer un os et il va dire c'est joli. Help me out of here, please. Allez, go le cimetière. Il m'a gonflé. Elle, la pauvre, elle est dans la cage. Ok, j'ai toujours 3 vies restantes. Là, vous avez vu, j'ai un peu level up dans les jeux comme ça. Mais je vais moins me cacher parce que j'ai peur que quand je me cache, il me voit. Là, je vous laisse juste l'intro pour la première fois qu'on visite un lieu, ensuite j'en ai. Ok. Non. Je peux me cacher ici, mais je veux pas faire ça, moi. Je veux pas me cacher dans une tombe. Te retourne pas. Yes. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, je comprends pas trop, honnêtement. C'est très compliqué. Bon, attendez, il y a un puzzle, on va le faire. De quoi parle ce puzzle? Ok, donc, accéder à l'hôtel en plaçant l'objet nécessaire pour ouvrir la porte. Il y a un objet à mettre. Il y a un objet à mettre. Juste à côté. Il est là? Jay, help me out of here, please! Go le cirque. Ah, bâtiment central, j'y peux pas aller. J'espère que j'ai de quoi me cacher en haut, parce qu'il va me perdre de vue normalement. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Vite, j'ai pas le temps les mecs, faut me donner du loot là. Faut me donner du gros loot les mecs. Oh! Pour le chat ça. Se cacher ici, c'est bon.
Je vais fermer derrière moi. Si on entend une porte, c'est qu'il arrive. Il arrive. Is anybody watching? Oh putain, il arrive. On va se cacher. Je me cache. Avec la pâtée pour chat dans la baignoire. Non mais sérieux. Oh là là. Oh, il est tout proche. Ok, on va bien attendre qu'il se barre. Sinon on se met dans la merde là. J'ai pas envie de perdre une vie. On va essayer de faire le sans faute, je vous garantis rien. Il peut y avoir des bugs. Mais je pense que sans bug, je meurs pas. Je vais faire plus attention qu'avant. Ok, donc là... Dans cet endroit, il y avait que ça, il me semble. Ok, donc on retourne au cimetière. Donc regardez, on retourne au cimetière et j'avais vu un chat en haut. Donc je peux attirer le chat. Trop stylé. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, Minou. Oh, il est tout mignon. Yes, j'ai un chaton, j'en fais quoi maintenant? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on l'offre au nerd? Ok, on va voir le geek. Je lui offre un chat, franchement, c'est le plus beau des cadeaux. Qui n'aime pas les chats? Qui n'aime pas les chats, bordel? Tiens, je t'offre un chat, mec. Pardon? Ok, on le bute, on le bute. Ah, mais attendez, j'ai une idée. Le chat, vous vous rappelez? On me demandait de remplacer le réveil chat. Ça marchait pas avec une peluche. Mais est-ce qu'avec un vrai chat, ça marche? Ouais, je sais, malade. Mais on va essayer quand même. Eh, on a rien à perdre. Hein. Alors. Ok, l'ice cream maker est là-bas. On en profite, on va ici. En plus, il y avait moi. Allez, réveil. Sérieux, ça marche? Oh, c'est n'importe quoi ce jeu. Ok, j'ai un réveil. On va le donner au petit. Mon dieu.